Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo League of Legends pour les nuls. Aujourd'hui, la partie 2. Au programme, nous allons voir d'abord Shogat, le champion qui nom nom nom. Suivi par Corki, qui est sur son dragon chinois. Bah oui, un skin du nouvel an chinois. Ensuite, nous verrons Darius, un champion très saignant. Puis Diana. Diana qui représente la lune face à Leona. Ensuite, Draven. Draven, que dire sur lui ? Draven, tout simplement. Puis, Mundo. Mundo va où il veut. Eh ben, on verra ce qu'il fait, Mundo. Suivi par Elise, l'araignée... une terreur, cette araignée. Hein. C'est le cas de le dire. Puis, nous verrons Evelyn, le champion furtif, mais dommage parce que elle est jolie à voir. Ensuite, Ezreal, le compère de Taric. Vous saurez pourquoi peut-être plus tard. Suivi par Fiddlestick, un champion avec des contrôles et puis qui fait un petit peu peur, enfin voilà. Et après Fiora en proviseur d'Halloween. Et pour finir, nous verrons Fizz qui invoque Urf. C'est parti! Nous voici à présent avec Shogat, le premier champion de cette deuxième série de 12. Alors, le passif de Shogat, c'est Carnivore. Tuer une unité vous rend 35 PV et 4,75 points de mana. Il faut savoir que la compétence augmente, enfin, le passif augmente au fil des niveaux, donc vous récupérez plus de PV et plus de mana en gagnant des niveaux. C'est un passif qui vous permet donc de rester longtemps sur votre lane, puisqu'à chaque creep tué, vous regagnerez un petit peu de PV et de mana. Le premier sort, la rupture. Alors, Shogat fracasse le sol de la zone ciblée, les ennemis dans la zone ciblée sont envoyés dans les airs pendant une seconde et subissent des dégâts magiques, et en plus ils sont ralentis de 60% pendant 3 secondes. Donc c'est un contrôle sur la durée. Regardez, on va faire ça sur le Shogat, donc... Bon bah c'est raté, mais c'est pas grave. Ça approche Tailsbeer, et en plus il est ralenti un petit moment après. Alors regardons la mana, j'ai 458, je tue Tailsbeer. Oh, bon bah je l'ai raté. 468 et voilà, 533, j'ai level up. Bon, c'est pas grave. Le deuxième sort, le cri sauvage. Shogat réduit au silence les ennemis dans un cône pendant 2 secondes et leur inflige des dégâts magiques. Alors, le silence augmente avec la prise de niveau, ça commence à 1,5 secondes, puis ça augmente, à mon avis, jusqu'à 2,5 secondes au rang 5, ce qui est donc un contrôle de zone, un silence de zone très puissant. Hop, le Shogat, voilà, il peut plus me faire de sort pendant 2 secondes à ce moment-là. Je vais y arriver. Maintenant, on va faire la rupture sur lui. Bon, bah, il l'évite. Ah, la tour est pétée, il fuit. En le suivant, on va lire le troisième sort, Pic Vorpal. À l'activation, les attaques de base lancent des pics infligeant des points de dégâts magiques supplémentaires et les pics grossissent en même temps que Shogat. Comment ça, Shogat grossit? Eh bien oui, c'est son ultime. C'est le festin. Donc on va faire ça comme ça. Dévore un ennemi infligeant 300 plus 21 points de dégâts bruts à un champion ou 1000 plus 21 points de dégâts bruts à un sbire. Si l'ennemi est tué par festin, Shogat grandit et ses PV augmentent de 90, cumulables 6 fois. Et s'il meurt, Shogat perd la moitié de ses effets festin. Donc c'est-à-dire que si je tue une cible avec mon festin, je grossis et je gagne une stack. Là j'en ai déjà une parce que je l'ai fait contre un sbire avant. Et ça peut se stacker jusqu'à 6 fois. Ensuite, il faut savoir que si je meurs, donc je perds la moitié des stacks. Donc admettons, on va tuer ce sbire. Hop, festin. Voilà, j'ai grossi, j'ai gagné quelques PV en plus. Mais admettons si maintenant je meurs, les deux là, ça va passer à 1. Et donc, il faut aussi savoir que ça fait des dégâts bruts, donc ça ignore toute résistance de l'ennemi. On va mourir juste pour montrer le passif. Donc voilà, je vais sans doute mourir contre le Shogat, contre le Graves. Et ça va passer à 1. Voilà, j'ai perdu une stack puisque j'en avais 2. C'est tout pour Shogat, mais voyons quand même sa petite fiche explicative. Alors, donc Shogat est un champion joué en tant qu'off-tank ou en tant que jungler. Donc il est joué sur la top lane ou dans la jungle. Il utilise de la mana pour utiliser ses sorts. Ouais, il utilise de la mana pour utiliser ses sorts, oui, tout à fait. Son coût en PI, c'est 1350, donc il est relativement bon marché. Il a déjà 5 skins à son actif. Et ensuite,
Il a deux crowd control, deux contrôles de foule, je vous le rappelle. C'est sa rupture, puisqu'elle permet de faire sauter dans les airs plusieurs ennemis. Et ensuite, son cri sauvage, qui va silence plusieurs ennemis devant lui. Il fait des dégâts bruts, c'est donc son nom nom nom, son ultime. Et il a également une sorte de... Le heal, je l'ai mis entre guillemets, parce que lorsqu'il tue une unité avec son nom nom nom, il gagne des points de vie supplémentaires. On passe au prochain champion. Nous sommes maintenant avec Corki, c'est un carry AD, donc il sera joué à la botlane. Son passif, Balextech. Les attaques de base de Corki infligent des dégâts bruts supplémentaires équivalent à 10% de ses dégâts d'attaque totaux. Attention, ça n'affecte pas les structures. Donc par exemple, là j'ai 93 d'AD, ça veut dire que les bombes Extech infligeront 9 points de dégâts bruts à chaque auto-attaque en plus. Ce qui rajoute pas mal de DPS à Corki et qui ignore l'armure, la résistance magique, enfin voilà. Tout ce qui peut être résistance chez l'ennemi. Donc là on a vu un petit 9 en gris. Hop, 94-9. Premier sort, bombe au phosphore. Inflige des dégâts magiques aux ennemis dans la zone ciblée. De plus, l'explosion dévoile la zone et les champions touchés pendant 6 secondes. Attention, cela ne révèle pas les unités camouflées. Donc on peut le faire pour voir les ennemis dans un buisson par exemple. Ce qui est pas mal avec un carré AD pour être safe lors par exemple, je sais pas, on a peur que le jungler gank, donc on peut mettre une bombe au phosphore ici. Bon, la portée n'est pas très grande. Mais là, on voit la zone. Il y a des petites étoiles tout autour. Le deuxième sort, c'est la Valkyrie. Corki fonce vers la position ciblée, infligeant des dégâts magiques par seconde aux ennemis placés dans son sillage. Alors, ce sort est plutôt utilisé comme escape ou comme engage, mais généralement, on le garde pour pouvoir fuir un teamfight mal engagé. On va le faire tout à l'heure pour engage le Corki. Troisième sort, la Gatling. La mitrailleuse de Corki tire sur toutes les cibles devant lui pendant 4 secondes, infligeant des dégâts physiques et réduisant l'armure des ennemis de 4 par seconde. La réduction d'armure est cumulable et dure 2 secondes. Alors, quand on l'augmente, ça augmente également la réduction d'armure, donc je vais le faire, ça passe à 6. Donc on va le faire tout de suite. L'engage avec la Valkyrie, puis la Gatling pour réduire l'armure. Donc voilà, on voit la mitraillette. Et enfin l'ultime que je vous lirai après. Bah, j'ai un peu raté, c'est pas grave. Barrage de projectiles. Corki tire un missile vers l'endroit ciblé qui explose à l'impact lorsqu'il touche un ennemi et inflige des dégâts magiques qui prennent en compte l'AD et l'AP dans le zone d'effet. Corki stocke un missile toutes les 12 secondes et peut en conserver jusqu'à 7. Un missile sur 3 est une grosse Bertha qui inflige 50% de dégâts supplémentaires. Bah, la prochaine, ça sera une grosse Bertha. Donc, hop. Voilà, ça fait des dégâts un peu plus forts, je crois. On n'a qu'à voir, ça fait combien de dégâts? 207, et un truc normal, ça fait 136. Alors voilà pour Corki. Un AD carry qui a pas mal de dégâts magiques, mine de rien, et qui peut harasser à distance avec ses petits missiles. Bien qu'on ne le voit plus vraiment en ce moment, il était très à la mode en fin de saison 2. Voilà, on voit qu'on peut bien harasser à distance avec les missiles. Je vous laisse avec un petit zoom sur Corki. Donc voilà pour Corki, qui est considéré comme un Yordle, il me semble, dans League of Legends. C'est donc un personnage qui est joué en tant qu'AD carry sur la botlane. Il utilise de la mana. Il coûte 3150 PI. Il a déjà 6 skins à son actif. Et ensuite, les quelques infos le concernant. Il a un debuff, c'est donc sa Gatling qui réduit l'armure des cibles devant lui. Et il inflige des dégâts bruts avec son passif, donc ses coups blancs infligent des dégâts bruts supplémentaires. Voilà, on passe au prochain champion. Voici à présent Darius, un champion qui est joué généralement top lane, mais on le voit aussi en tant que jungler de temps en temps. Son passif, Plaibéante. Les attaques et les compétences infligeant des dégâts font saigner l'ennemi, ce qui lui inflige des dégâts magiques en 5 secondes. On peut cumuler l'effet jusqu'à 5 fois. Darius obtient un bonus de 5% en vitesse de déplacement pour chaque champion ennemi qui saigne. Donc, c'est là une puissante dot qu'on peut mettre sur les ennemis et qu'on peut stacker plusieurs fois. Donc, on va faire un coup blanc sur ce sbire là. Et bien, vous voyez une petite plaie autour de lui et ça lui a fait perdre 6 points de dégâts magiques. Ensuite, Décimation.
inflige des dégâts physiques à tous les ennemis proches dans un cercle. Les champions situés au périmètre de la zone d'effet sont frappés par la lame et subissent 50% de dégâts supplémentaires. Donc, on va faire ça tout de suite. Si les ennemis sont le plus éloignés de moi, ça fera un peu plus de dégâts. Je sais pas si on a vraiment vu la différence de dégâts, mais normalement ils prennent des dégâts supplémentaires. Le deuxième sort, estropiation. La prochaine attaque de base inflige 120% de dégâts et réduit les vitesses de déplacement et d'attaque de 20% pendant 2 secondes. A mon avis, ça augmente avec les niveaux, j'aurais dû mettre un deuxième point dedans pour vérifier. Mais bon, c'est pas trop grave. Le délai de récupération de base d'estropiation est réduit de 1 seconde à chaque cumul de plaies béantes sur la cible. Donc on va faire ça tout de suite. Admettons, je fais ça, ça et deuxième sort. Voilà, au lieu d'avoir 8 secondes, j'en avais 6 parce qu'il y avait 2 plaies béantes sur le sbire. Le troisième sort, c'est le crampon. Le passif du crampon, les dégâts physiques de Darius ignorent 5% de l'armure et de la cible. Et ça augmente avec les niveaux. Et l'actif, Darius attire à lui tous les ennemis devant lui. Bon, on va faire ça tout à l'heure sur le Graves. Et enfin, l'ultime, guillotine noxienne. Darius saute sur le champion ennemi ciblé et assène un coup terrible infligeant des dégâts bruts. Pour chaque effet plaie béante sur la cible, guillotine noxienne inflige 20% de dégâts supplémentaires. Donc là, en ce moment, dégâts max 361. Si guillotine noxienne tue la cible, Darius peut relancer guillotine noxienne pendant 12 secondes. Donc c'est-à-dire que si on l'utilise pour tuer un adversaire, on peut le réutiliser. Donc voyons voir, ouais, ça augmente les dégâts et ça augmente le ralentissement. Malheureusement, le Graves a back, je sais pas pourquoi. Donc on va devoir l'attendre. Voilà, le Graves a fini par revenir, donc je vais pouvoir vous montrer la petite phase. Donc d'abord, je vais le grappe à moi. Hop, je lui inflige quelques plaies. Bon, il fuit. Les bottes qui fuient. Bon, on va essayer de lui infliger quelques plaies. Hop, un dégât en plus. Et l'ultime. Et bon, on va faire un embrase. Et voilà. L'ultime a fait bien bien mal. Parce qu'il y avait quand même 2 ou 3 plaies sur lui. Ce qui a dû lui mettre 60% de dégâts supplémentaires. Ce qui est pas mal. Donc voilà pour Darius. Un champion qui est pas mal redouté à cause de ses dégâts bruts et de sa dot qui, attention, font des dégâts magiques. Donc voilà, pour Darius, ce champion qui est joué off-tank, au top, ou alors jungler, donc dans la jungle, encore une fois. Il a de la mana, donc voilà, c'est ce qu'il utilise pour lancer ses sorts. Son prix en pays, c'est 6300, donc encore assez cher, hein. Il a 3 skins, et les quelques infos le concernant. Il possède un crowd control, c'est son crampon, puisque ça lui permet d'attirer plusieurs ennemis jusqu'à lui. Il a également un contrôle, c'est son estropiation, puisque la prochaine attaque de base qu'il inflige réduit les vitesses de déplacement et d'attaque de l'ennemi. Puis il a une dot, donc c'est son passif qui applique des saignements, enfin des saignements, ce sont des plaies béantes je crois, sur la cible, et ça inflige des dégâts magiques. Ensuite, il a des dégâts bruts, c'est donc sur son ultime qui fait des dégâts bruts en fonction du nombre de plaies béantes sur l'ennemi. Et enfin, il a un stéroïde. C'est, alors, j'ai compté comme stéroïde plutôt le passif du crampon qui augmente la pénétration d'armure de Darius. Donc, les dégâts physiques de Darius ignorent un certain nombre de pourcentages de l'armure de la cible. Voilà, c'est tout pour Darius, on passe au prochain champion. Voici à présent Diana, qui est joué surtout en tant que midlaneuse et en tant que jungleuse. Son passif, la lame Selene, augmente la vitesse d'attaque de 20%. Tous les 3 coups, frappe les ennemis proches et leur inflige des dégâts magiques supplémentaires. Alors, il faut savoir donc que ça fait des dégâts aux ennemis proches, donc pas seulement à la cible, ce qui peut faire pas mal de dégâts, hein. Donc voilà, elle a déjà de la vitesse d'attaque supplémentaire. Donc imaginez-vous avec une dent de Nashor ce que ça peut faire comme dégâts. Le premier sort, c'est le croissant lunaire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on parle d'un croissant. Donc Diana libère une vague incurvée d'énergie lunaire, infligeant des dégâts magiques. Et cela inflige clair de lune aux ennemis touchés, ce qui a comme effet de les révéler pendant 3 secondes. Ça veut dire que si je fais le croissant lunaire dans le bush et qu'il y a un ennemi, eh bien je continuerai à le voir même si je ne suis pas dans le bush. Alors voilà, vous voyez pourquoi on parle d'un croissant. Parce que ça a la forme d'un croissant, c'est un skill shot assez sympa. Donc hop, et voilà,
il y a un petit truc sur lui, donc il est affecté par le clair de lune. Deuxième sort, corps céleste. Diana crée trois sphères qui explosent au contact des ennemis et inflige des dégâts magiques. Cela dure 5 secondes, donc les orbes. Octroie aussi un bouclier temporaire qui absorbe des dégâts, donc là c'est 49 points de dégâts au rang 1. Si les trois sphères explosent, la valeur du bouclier augmente de nouveau de 49. Bon là j'ai augmenté le sort. Donc c'est-à-dire que si les sphères explosent, on regagne le même montant du bouclier. Donc voilà, je le fais une fois. Bon bah je crois que ça a fait... Ça tanque les dégâts de Graves. Troisième sort, attraction lunaire. Attire tous les ennemis proches et les ralentit de 35% pendant 2 secondes. Donc c'est un petit peu comme Darius, sauf que c'est autour de soi. Voilà, c'est autour de soi, c'est un pool à la Darius, mais faut être au contact. Et enfin l'ultime, Rush lunaire. Diana devient l'incarnation vivante de la lune vengeresse et se téléporte près d'un ennemi, infligeant des dégâts magiques. Rush lunaire n'a pas de délai de récupération si la cible est affectée par le clair de lune. Donc si on fait ça sur un ennemi et qu'on fait l'ulti, ça n'aura pas de délai de récupération. Bon là je suis en train de prendre très cher parce que je lis à moitié les sorts, mais le Graves, je vais en faire de la pâtée. Donc voilà, hop, le petit truc qui fait revenir. Et puis maintenant, on fait comme ça et ça le finit. Et voilà. Donc revoyons une dernière fois le bouclier. Donc là j'ai une fois le bouclier, mes orbes explosent, j'ai une deuxième fois. Donc voilà, c'est tout pour Diana, qui est jouée, c'est un petit peu une mage un petit peu assassin, parce qu'elle va quand même rush sur les ennemis. Et maintenant passons au résumé sur Diana. Donc c'est une assassin jungleuse, elle peut être jouée mid, top ou jungle. Les coups de ses sorts c'est de la mana, elle coûte encore 6300 PI, elle n'a qu'un seul skin la pauvre, mais bon il est pas si mal. Et les infos la concernant, elle a un crowd control, c'est son troisième sort, l'attraction lunaire qui attire tous les ennemis et les ralentit, donc qui attire les ennemis proches à elle, hein. C'est pas non plus oup la boum, tout ce qu'on veut. Hein. Ensuite, elle a un stéroïde, c'est son passif qui lui donne de la vitesse d'attaque supplémentaire, et ça on le sait pas forcément. Puis elle a un shield, donc son corps céleste qui lui permet d'avoir deux fois de suite un petit bouclier. Ensuite, elle a carrément un dévoilement, son croissant lunaire, donc quand ça touche un ennemi, par exemple dans de l'herbe, ça va le dévoiler et montrer ce qu'il y a autour de lui, même quelques instants plus tard. Puis elle a un gap closer, c'est son ultime, qui lui permet d'arriver directement au contact de l'ennemi. On passe tout de suite au prochain champion. Nous sommes maintenant avec le Dr Mundo. Un champion que je trouve assez drôle et qui est un petit peu bodybuildé, on va dire. Son passif, poussée d'adrénaline. Le Dr Mundo régénère 0,3% de ses PV max à chaque seconde. Ça a l'air de rien, mais cela en fait un personnage qui régénère beaucoup de points de vie, surtout si vous avez, admettons, une Warmog, ce qui augmente également la régénération de points de vie chaque seconde. Ensuite, le coup près souillé, le premier sort. Cela coûte des PV de Mundo, donc tous les sorts de Mundo lui coûtent des PV. Hein. Le Dr Mundo lance son couperet infligeant des dégâts magiques équivalents à 21% des PV actuels de la cible. Cela augmente avec les niveaux d'ailleurs. Hein. Donc PV actuel de la cible, c'est-à-dire que plus l'ennemi a perdu de vie, moins ça fera mal. Hein. Voilà. Par contre, 180 points de dégâts minimum, hein. Il y a quand même un point de dégâts minimum. Et la ralentissant de 40% pendant 2 secondes. La moitié du coup en PV est rendue au Dr Mundo si le coup près touche une cible. Donc admettons, j'ai 1047 points de vie. Donc moins 70. Voilà, j'ai récupéré 35 parce que j'ai touché une cible. Deuxième sort, agonie de flamme. C'est un actif passif. Enfin, passif il ne fait rien du tout. Mais actif, bah ça change quelque chose. Actif. Le Dr Mundo inflige des dégâts magiques aux ennemis proches et réduit la durée des entraves du Dr Mundo d'un certain nombre de pourcents selon le niveau. Alors, au rang 1, ça me coûtait 10 PV par seconde, là ça coûte 15 PV. Par contre, la durée d'entrave est réduite de 15%. C'est-à-dire que si, admettons, je devrais être ralenti pendant 3 secondes, le ralentissement est réduit de 15%. La durée du ralentissement est réduite de 15%.
ce qui fait un personnage très peu sensible au contrôle, surtout au rang 5. Troisième sort, Masochisme. Cela coûte 25 PV au rang 1. Les dégâts d'attaque de Dr. Mundo augmentent de 40 pendant 5 secondes, et ça augmente également pendant les niveaux. Le Dr. Mundo gagne aussi 0,4 points d'attaque supplémentaires pour chaque pourcent de PV qui lui manque. Donc moins j'ai de PV, plus le masochisme fera mal aux ennemis, enfin plus ça augmentera mon AD. Donc là on va faire exprès de perdre des points de vie. Donc voilà, on va garder ce truc activé, on va lancer des coups près au bol. Et on va lire en même temps l'ultime. Sadisme. Donc après le masochisme, le sadisme. Ça coûte 20% des PV actuels de Mundo. Et le Dr. Mundo récupère 40% de ses PV max. Donc c'est à dire que j'en récupère beaucoup plus que ce que ça me coûte. En 12 secondes. De plus, il voit sa vitesse de déplacement augmenter de 15%. Il faut savoir qu'au rang, rang 3, donc au niveau 16, il me semble que ça me rend 70% de ma vie max. Donc vous voyez, là j'ai plus beaucoup de points de vie. J'ai 97, si je fais ça, ça me donnera 40 en plus, donc 137. Mais comme j'ai des pourcents de PV qui me manquent, ça me donne 168, ce qui est énorme. C'est juste avec 25 PV, ça m'augmente à fond mes dégâts d'attaque. Et maintenant, on va voir l'ultime. Donc, vous voyez, j'ai 250 PV. Ça va me coûter 20% de mes PV, donc 50. Et là, je régénère. Je suis plus rapide, je régénère. Mais je régénère une quantité de points de vie énorme. Et je ne suis qu'au rang 1. Donc, imaginez tower dive un ennemi avec ce truc activé. C'est juste infâme. On va le tuer. Ou pas. Et ben non, je me suis fait tuer. Mais voilà, en gros, Mundo, c'est un personnage qui se joue plutôt... qui se joue top et jungler, j'ai oublié de vous le dire. Et qui régénère beaucoup de points de vie, tout en étant résistant et en faisant de bons dégâts. Donc n'hésitez pas à le build plutôt PV, une capsuleur c'est bien, enfin voilà. Et quelques dégâts en plus. On va faire un petit point sur... le Mundo en zoom, et on voit que si j'augmente le masochisme, ça augmente également les points d'attaque supplémentaires pour chaque pourcent de PV qui lui manque. Donc voilà, ça en fait, c'est un personnage qui fait quand même mine de rien de bons dégâts. Admirez son beau visage. Alors voilà, nous nous retrouvons avec l'artwork de tous les skins des TPA, donc les skins qui sont sortis pour remémorer, on va dire, la victoire de l'équipe des TPA lors des finales de la saison 2. Alors, pour parler de Mundo, c'est un champion joué off-tank au top ou jungler. Il utilise des points de vie, donc attention à pas trop utiliser vos sorts si vous débutez avec lui, hein. Ensuite, il coûte 1350 PI, ce qui est plutôt pas trop cher. Il a 7 skins, donc de quoi vous faire plaisir. Hein, si... Bon, ils sont pas tous disponibles, hein, malheureusement. Mais il y en a des sympas. Et puis ensuite, les infos. Donc il a un contrôle, c'est son fameux coup près, qui permet de réduire la vitesse de déplacement d'un ennemi. Il a un buff défensif. Alors buff défensif, je m'explique, c'est la zone autour de lui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui lui permet de réduire la durée des contrôles de foule. Donc ce qui est vraiment pas mal, ça lui permet de ne pas être contrôlé trop longtemps. Et il a deux stéroïdes, son troisième sort qui lui permet d'augmenter son niveau, son nombre d'AD. Donc si on l'utilise, on gagne énormément d'AD. Et enfin son ultime qui lui augmente à la fois sa vitesse de déplacement et qui en plus lui régénère une grande partie de ses points de vie. Donc voilà, c'est tout pour Mundo, on passe au prochain champion. Et nous sommes maintenant avec le seul, l'unique, le beau, le grand, Draven. Et oui, Draven, le champion le plus narcissique de League of Legends, si on peut dire, qui est joué AD carry sur botlane, donc. Son passif, League of Draven, rien que ça. Draven gagne un effet adoration quand il rattrape une hache tournoyante, ou quand il tue un sbire ou un monstre. Quand Draven tue un champion ennemi, il consomme la moitié des effets adoration cumulée, gagnant 3 PO par effet consommé. Draven perd la moitié de ses effets d'adoration quand il meurt. Bon, là j'ai un peu farm et puis j'ai rattrapé des haches, donc j'en suis à 71. Ce qui me donnerait pas mal quand même, donc 35 x 3, ça me donnerait à peu près 100 PO supplémentaires si je tue le Graves.
Premier sort, hache tournoyante. La prochaine attaque de Draven infligera 61 points de dégâts physiques supplémentaires. Le bonus est égal à 65% de ses dégâts d'attaque totaux. Bon, ça change selon les niveaux également, comme la plupart des sorts, on va dire. Enfin, cette hache ricochera sur la cible et sera propulsée dans les airs. Si Draven l'attrape, il prépare automatiquement une autre hache tournoyante. Donc, mieux vaut vous montrer plutôt que de partir dans des explications. Donc, j'active le truc. Hop. Donc voilà, je l'ai récupéré, Et ben là, je vais la re-récupérer. Etc. Ça continue comme ça. Bon, là, je vais mourir si je continue. Là, voilà, je peux en lancer une deuxième carrément si je veux. Bon, enfin, voilà. Je connais pas le perso et c'est pas évident. Deuxième sort. Pulsion sanguinaire. Draven gagne 40% de vitesse de déplacement pendant 1,5 secondes. Et 20% de vitesse d'attaque pendant 3 secondes. Le bonus en vitesse de déplacement diminue rapidement sur la durée. Bon, ça aussi, ça doit augmenter avec les niveaux. On va voir, je vais passer niveau 7. Si ça augmente de beaucoup. Alors, oui, bah ça augmente pas mal. Vitesse d'attaque et vitesse de déplacement augmentée. Et enfin, attraper une hache tournoyante met fin au délai de récupération de puissance sanguinaire. C'est ça que je peux faire. Hop. Donc voilà. Et voilà, je l'ai de nouveau. Donc on peut attaquer très vite, juste en rattrapant nos haches. Division. Troisième sort. Draven lance ses haches, infligeant des points de dégâts physiques aux cibles touchées et les repoussant sur le côté. Les cibles touchées sont ralenties de 20% pendant 2 secondes. Alors, on va faire ça sur les sbires pour pas qu'il fuit. Voilà, c'est repoussé et c'est ralenti. Enfin l'ultime, volée mortelle. Draven lance deux énormes haches pour infliger des dégâts physiques aux ennemis touchés, et volée mortelle fait lentement demi-tour et revient vers Draven après avoir frappé un champion ennemi. Draven peut aussi activer cette compétence quand les haches sont en vol pour les faire revenir plus tôt. La compétence inflige 8% de dégâts en moins après chaque unité touchée et est réinitialisée quand les haches font demi-tour. Donc c'est à dire qu'au retour ça peut refaire beaucoup de dégâts si on le place très bien. Donc on va essayer de tuer le Greaves. Oh, il fuit. Oh, les bots, pourquoi ils fuient tout le temps? C'est fatigant quand même. On va essayer de le rattraper. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Non, je ne veux pas mourir. On va faire l'ultime. Et on fait revenir. Ah, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Donc vous avez vu, j'ai balancé mes deux haches tout le long de la map. Ça peut faire vraiment toute la map. Un peu comme l'ulti dash qu'on avait vu dans la vidéo, la première vidéo. Donc voilà pour Draven, qui est, soit dit en passant, le frère de Darius. Je vous laisse avec son animation de bac. Et on va passer au prochain champion d'ici peu. Vous l'aurez sans doute entendu, Draven se fait applaudir quand il bac avec ce skin. Et puis on pourra dire qu'il a remis à la mode la moustache. Donc Draven, comme on l'aura compris, est un AD carry, il se joue donc bot lane. Ses sorts coûtent de la mana, son prix en pays 6300, il a deux skins, et les infos le concernant, il possède un crowd control, c'est sa division, son troisième sort. Lorsqu'il lance ses haches, il va pousser sur le côté les ennemis, et en plus il va les ralentir d'un certain nombre de pourcents pendant quelques secondes. Il possède également un stéroïde, c'est son deuxième sort, qui lui fait gagner de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque pendant plusieurs secondes. Enfin, il a un ultime global, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Draven lance ses deux haches, et puis ça peut faire toute la longueur de la map. Il peut les arrêter quand il le veut, mais ça peut aller de long en large, en travers. Voilà, c'est un ultime global. On passe au prochain champion. Nous sommes maintenant avec Elise. Un champion qui a deux formes et qui est surtout joué au top ou en tant que jungler. C'est un champion mage mais qui est plutôt joué résistance parce qu'il sera souvent au corps à corps. Passons tout de suite à son passif. Son passif, c'est Lord d'araignée. En forme humaine, quand les sorts d'Elise touchent un ennemi, elle prépare une araignée. Au maximum, elle peut en avoir 3. Et cela augmente avec les niveaux. Je crois que maximum c'est au niveau 16, elle peut en avoir 5 autour d'elle. La forme arachnéenne, Elise invoque ses araignées pour attaquer les ennemis proches. Bon bah alors Graves a pété ma tour, je sais pas comment il a fait. Le premier sort,
On va d'abord voir la forme humaine alors. Premier sort, neurotoxine. Inflige des dégâts magiques équivalents à 80 plus 9% des PV actuels de la cible. Maximum 120 points de dégâts supplémentaires contre les monstres. C'est-à-dire que plus l'ennemi a de vie, plus ça sera efficace. Si l'ennemi, admettons, 1000 points de vie, donc ça fera 9% en plus, c'est-à-dire 90 points de dégâts en plus. Alors que s'il en a, allez, disons 100, ça fera 9 points de dégâts en plus, ce qui est finalement pas énorme. Donc là, ça fera plus mal que si je le refais juste maintenant. Bon. Le deuxième sort. Mais qu'est-ce qu'il a, Graves, là? Il me cherche. Deuxième sort. L'araignée explosive. Alors, Elise invoque une araignée gorgée de venin qui se rend dans la zone ciblée et explose, infligeant des points de dégâts magiques quand elle est proche d'un ennemi ou après 3 secondes. Donc je peux la balancer là, et elle va chercher les ennemis, et elle explose. Donc ça fait des dégâts de zone, et ce qui est vraiment assez utile pour farmer les araignées qu'on voit ici qui sont déjà, qui sont au nombre de 3. Le troisième sort, c'est le cocon. Étourdi et révèle le premier ennemi touché pendant 1,5 secondes. C'est-à-dire que, hop... Ouais, bon, boss. Bon, ça l'a fait sur le creep. En gros, ça l'a étourdi pendant 1,5 secondes. Maintenant, l'ultime. Oh, il va fuir maintenant. Bon, je vais le tuer. Et puis, je vous lirai les sorts. Après. Bref. Donc, voilà. J'ai changé de forme. Qu'est-ce qu'on nous dit en forme arachnéenne? Alors, déjà, ça n'a pas de coup de mana. Hein. Elise se transforme en une terrifiante araignée obtenant des compétences arachnéennes. La forme arachnéenne, Elise inflige des points de dégâts magiques supplémentaires par attaque et augmente sa vitesse de déplacement de 10. Ce qui est quand même assez bien à savoir, c'est donc que vous vous déplacez plus vite en forme arachnéenne, et donc pour revenir sur votre voie, c'est nettement plus rapide. A savoir également que Elise a sa forme arachnéenne dès le niveau 1. C'est pas dès le niveau 6 comme ça peut l'être avec Nidalee par exemple. Ensuite... Le premier sort, et puis attention, les araignées infligent 20 points de dégâts et les compétences multi-cibles leur infligent 20% de dégâts en moins. Donc ça veut dire que les araignées subissent moins de dégâts de zone, enfin moins les dégâts en zone. Premier sort en forme arachnéenne, morsure venimeuse qui n'a pas de coût de mana, hein, attention. Les sorts en forme d'araignée ne coûtent rien en mana. Donc... Morsure venimeuse fonce sur une cible pour lui injecter du venin, infligeant des dégâts magiques équivalents à 160 plus 9% des PV manquants de la cible. Donc avant c'était les PV actuels, là c'est les PV manquants. Ce qui veut dire que moins le Graves a de vie, plus mon Q en forme d'araignée fera mal. Ce qui est également important à savoir quand on joue Elise. Donc on peut pas tellement voir... Mais là, par exemple, le creep, normalement, je devrais pouvoir le finir facilement. Voilà, j'ai fait 207, alors que ça fait 160 plus quand même pas mal de dégâts. Le deuxième sort, frénésie symbiotique. En passif, ça augmente la vitesse d'attaque des araignées. Et en actif, augmente la vitesse d'attaque d'Elise et les araignées de, bon, un certain nombre de pourcents selon le niveau, pendant 3 secondes. Pendant cette durée, Elise récupère des PV quand elle ou ses araignées attaquent. Ce qui est un bon moyen de régénérer des points de vie. Donc on va le faire tout de suite. Admettons, on va tanker un peu les sbires. Voilà. Et maintenant je fais mon deuxième sort. Bon, je récupère un petit peu. Mais il me fait mal quand même le petit. Ok, il va me tuer. J'espère pas. Troisième sort, la suspension. Vous allez le voir. Sur un ennemi, Elise et ses araignées se suspendent dans les airs puis se laissent tomber sur l'ennemi ciblé. Ou alors, sur le sol, Elise et ses araignées suspendent dans les airs, devenant impossible à cibler pendant 2 secondes. Elle peut ensuite lancer suspension pour se laisser tomber sur un ennemi proche. Donc je peux le faire soit sur une cible, ou sinon je retombe là où j'ai fait mon sort. Donc admettons, je suis dans la jungle, je me balade, et là, il y a un ennemi qui est ici, admettons. Je fais « Oh mon Dieu !» J'utilise ma suspension, et je retombe sur le golem. Donc voilà, ça permet d'engage, ou plutôt de fuir, ce qui est vraiment pas mal. Donc on va essayer de tuer ce Graves. Bon, il va me tuer sûrement. Et voilà, il m'a tué. Et c'est donc tout pour Elise, l'araignée, qui a été quand même
beaucoup beaucoup ban pendant une certaine période dans League of Legends. Passons donc maintenant au résumé d'Elise, qui est un champion avec quand même pas mal de compétences. Elle est jouée en tant qu'off-tank au top ou en tant que jungleuse. Donc c'est un personnage qui peut faire pas mal qui peut avoir pas mal de fonctions, on peut même l'avoir de temps en temps au mid, même en tant que support, mais ça je vous le déconseille, c'est plus pour si vous la gérez très bien. Alors, les coups de ses sorts, en forme humaine elle utilise de la mana, et en forme d'araignée elle n'a aucun coup. Donc n'oubliez pas, si vous avez plus de mana, vous pouvez encore vous transformer en araignée, et les sorts que vous lancerez ne vous coûteront pas de mana. Dont l'escape, hein, le troisième sort. Elle coûte 6300 PI, elle n'a qu'un seul skin, et donc les petites infos sur elle, elle a un contrôle, c'est sa toile d'araignée, le troisième sort en forme humaine, qui permet d'immobiliser un ennemi. Ensuite, elle a deux gap closer, c'est son premier sort en forme d'araignée, donc elle peut sauter sur un ennemi, et ça lui fait des dégâts en pourcentage des PV manquants. Et elle a également son troisième sort en forme d'araignée, donc quand elle se suspend dans les airs, elle peut retomber sur n'importe quelle cible qui se situe dans un cercle. Ensuite, elle a un stéroïde, toujours sous forme d'araignée, c'est son deuxième sort, ça lui permet d'augmenter sa vitesse d'attaque. Et finalement, elle invoque des sbires, ce sont ses petites araignées. Voilà, vous savez tout de la dame de la forêt torturée. Nous voici maintenant avec Evelynn, un personnage qui a été longtemps, longtemps attendu. En tout cas, enfin, sa refonte a longtemps été attendue. Et maintenant, elle n'est pas trop jouée, mais elle est jouée en tant que mid ou en tant que jungleuse. Voyons d'abord son passif. C'est la marche des ombres. Evelynn se fond dans les ombres et ne peut être vue que par les champions ennemis proches ou la vision pure. Quand on parle de vision pure, ce sont donc les wards roses, les pinks ou un oracle. Quand elle est camouflée, Evelynn régénère 1% de son mana max par seconde. Quand elle lance des sorts, subit des dégâts ou inflige des dégâts, Evelynn quitte son camouflage pendant 6 secondes. Donc ça permet vraiment d'arriver au contact des ennemis sans qu'ils nous voient. Logiquement, Graves, si j'arrive dans son dos, il ne me verra pas. Et je vais vous montrer tout de suite l'effet, comment on sait si l'ennemi ou pas nous voit. Déjà, on voit que la zone. Voilà, si l'ennemi pénètre dans cette zone, il nous voit. Ah, là. Alors, voilà, si j'arrive là, voilà, il m'a vu. Il y a un petit point d'exclamation, ça veut dire qu'il m'a vu. Et là, je ne suis plus furtive. Premier sort, frappe haineuse. Evelynn tire une ligne de pique vers un ennemi proche, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis sur son passage. Frappe haineuse se dirige en priorité vers les cibles récemment attaquées par Evelynn, ce qui est toujours bon à savoir. Donc voilà, le cooldown est vraiment court et le coût en mana n'est pas très élevé. Donc on peut vraiment spam cette attaque. Vous voyez, je balance pas mal de fois mon sort, hein. Deuxième sort, la frénésie lugubre. En passif, chaque champion ennemi touché par un sort d'Evelynn augmente sa vitesse de déplacement de 4 pendant 3 secondes et cumulable 4 fois. Donc là, je suis à 385. Hop, 389. 393. Donc voilà, ça permet de vraiment bien ralentir, de rattraper les ennemis. Et l'active. Evelynn dissipe les ralentissements qui l'affectent et gagne 30% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes, ce qui permet de rattraper encore plus facilement les ennemis et surtout de ne pas être ralenti. Donc Graves a un ralentissement sur sa fumée, c'est-à-dire que si j'utilise mon deuxième sort, donc l'actif, je ne serai plus ralenti. Le troisième sort, ce sont les ravages. Evelynn frappe sa cible deux fois, infligeant des dégâts magiques par attaque, donc ça inflige deux fois les attaques. Evelynn gagne ensuite 60% de vitesse d'attaque pendant 3 secondes. Donc faisons-le sur le gros sbire là. 1. Voilà, bon, et puis là j'ai une vitesse d'attaque améliorée. Et enfin, l'ultime, toucher de l'agonie. Evelynn empale tous les ennemis dans la zone ciblée, infligeant 15 plus un certain montant, je pense selon la paix, de pourcent de leur PV actuel, donc les ennemis, hein. De leur PV actuel sous forme de dégâts magiques et réduisant leur vitesse de déplacement de 30% pendant 2 secondes. Donc, comme on l'a vu avec Elise, ce sont des dégâts sur les PV actuels. Donc, plus ils ont de vie, plus cela leur fera de dégâts. Hein. Ça peut être un très bon engage pour bien entamer les tanks, par exemple, puisque ça leur fera plus de dégâts qu'à des champions ayant moins de vie. Et il faut aussi savoir que Evelynn siphonne leur douleur et obtient un bouclier ayant 150 PV pour chaque champion ennemi touché. Donc on va le faire sur le Graves.
Je gagne un bouclier. Hop, on fait les ravages. Allez, je vais essayer de le tuer. Bon, bah encore une fois, je me suis fait tuer. Mais bon, c'est ça de tank les sbires. Bon, bah voilà. Alors, vous avez pu voir un petit peu Evelyn. Un personnage très furtif qui est joué en tant qu'assassin AP, on va dire. Et qui est plutôt sympa à jouer. Donc, passons maintenant à la fiche résumée d'Evelyn. Donc, c'est un champion qui peut être joué en tant que jungler ou en tant que mid. Mais dans tous les cas, ce sera un assassin. Elle utilise de la mana. Elle coûte 1350 PI et elle a 3 skins à son actif. Ensuite, les infos la concernant, elle a un CC, c'est son ultime qui permet de slow dans toute une zone. Ensuite, elle a deux stéroïdes. D'abord, son deuxième sort qui lui permet d'avoir un boost de vitesse de déplacement et elle en gagne également lorsqu'elle donne des auto-attaques aux champions ennemis. Ensuite, elle a un autre stéroïde, c'est son troisième sort. Après avoir fait ravage, elle gagne un boost de vitesse d'attaque pendant quelques secondes et qui est assez grand puisque c'est 120% de la vitesse d'attaque au rang 5. Ensuite, elle possède une purge, toujours... non, cette fois c'est sur le deuxième sort. Donc si vous êtes slow, ralenti avec Evelyn et que vous utilisez le deuxième sort, eh bien ça va enlever les effets de ralentissement. C'est donc une purge. Elle gagne un shield avec son ultime. Donc selon le nombre de champions qu'elle touche avec son ultime, elle gagnera un bouclier plus ou moins grand. Et enfin, elle est dotée d'une certaine furtivité puisque c'est son passif. Tant qu'elle ne reçoit pas de dégâts, ne lance pas d'attaque ou n'est pas dans la vision des adversaires, elle est furtive. C'est tout pour Evelyn, on passe au prochain champion. Nous sommes maintenant avec Ezreal, qui peut être joué en tant qu'AP ou en tant qu'AD, mais généralement on le retrouve carry AD en botlane. Son passif, force grandissante. Quand Ezreal touche sa cible avec une compétence, sa vitesse d'attaque augmente de 10% pendant 5 secondes et l'effet est cumulable jusqu'à 5 fois. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on touche un ennemi avec une compétence, on gagne de la vitesse d'attaque et on peut gagner jusqu'à 50% de vitesse d'attaque rien qu'en lançant nos sorts. Ce qui est énorme pour un carry AD, je vous laisse imaginer. Donc par exemple, là je suis à 0,87, j'utilise mon sort 0,94. Je refais mon sort. 1. C'est-à-dire que je lance une attaque par seconde. Bref. C'est. Voilà, c'est une force grandissante. Deuxième sort, flux essentiel. Ah non, premier sort déjà, on l'a pas vu encore. Tir mystique. Ezreal tire un trait d'énergie, infligeant des dégâts physiques. Des points de dégâts physiques. Et peut appliquer des effets à l'impact. C'est-à-dire des ralentissements, des coups critiques, des choses comme ça. Voilà, des choses. Comme le buff rouge par exemple, ça ralentira et ça fera des dégâts bruts en plus. Donc, il faut aussi savoir que les délais de récupération d'Ezreal sont réduits de 1 seconde si tir mystique touche une cible. Donc bah voilà, je le fais une fois. Et puis au lieu d'avoir 5 secondes, j'en ai eu 4. Deuxième sort. Flux essentiel. Ezreal envoie une vague d'énergie qui inflige des dégâts magiques à tous les champions ennemis traversés. Les champions alliés touchés par la vague d'énergie voient leur vitesse d'attaque augmenter. Et puis cela augmente selon les niveaux pendant 5 secondes. Donc attention, ce sort ne touche pas les sbires, mais il peut les traverser. Donc on veut toucher le Graves, on s'en fiche des sbires. Bon là je l'ai raté. Voilà, ça traverse les sbires alors que mon premier sort, je veux toucher Graves. Ah bah non, c'est le sbire qui se le prend. Donc on va réessayer. Voilà, là il s'est pris les dégâts et ça traverse carrément l'ennemi. Donc là par exemple, bon on n'a pas trop vu, j'ai oublié de vous faire regarder. Bah regardez, 8 secondes, 7, j'utilise mon sort et ça va passer à 5. Donc voilà, ça réduit d'une seconde le cooldown. Troisième sort, le transfert arcanique. Ezreal se téléporte dans une zone ciblée et tire un projectile auto-guidé qui frappe l'ennemi le plus proche, infligeant des dégâts magiques. Alors ce sort n'est pas vraiment utilisé pour faire des dégâts, il est plutôt utilisé pour fuir, puisque c'est comme un mini flash, vous pouvez faire un truc comme ça et hop, vous vous enfuyez. Ce qui peut être très très pratique des fois. Et enfin, l'ultime d'Ezreal, barrage térébrant. Ezreal se concentre pendant une seconde avant de tirer un barrage de projectiles, infligeant des dégâts magiques à chaque unité qu'il traverse. Les dégâts sont réduits de 10% après chaque unité traversée, 30% minimum.
Donc j'imagine que ça peut pas être réduit plus de 30%. Donc on va faire comme ça. Et en plus, à chaque unité touchée, je gagnerai les 10% de vitesse d'attaque. Donc on va attendre la prochaine vague de sbires qui devrait pas tarder. Pour que vous voyez qu'on passe directement à 5 si je touche plus de 5 cibles. On va laisser push un petit peu. Voilà, donc ça marche comme ça. Et ça peut faire toute la map, hein. C'est parti. Et voilà, je suis à 5. Vitesse d'attaque maximum. Bon, il fuit, c'est Graves, quoi. Cette fois, je vais essayer de ne pas me suicider. Donc voilà, l'ultime, ça fait une espèce de grande barrière qui traverse toute la map et qui peut aller d'ici à là, par exemple, hein, si vous voulez. À là. Alors voilà, c'est tout pour notre ami Ezreal. 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 Bon alors maintenant parlons, enfin voyons la fiche récapitulative de notre Ezreal. Ezreal? Ouais, je le fais avec un accent anglais, ça le fait. Hein. Alors, il est joué à des carry au bot ou à P-carry au mid. Les deux sont possibles parce qu'il a des ratios donc AD et AP sur ses sorts. Mais il utilise de la mana, enfin il utilise de la mana quoi, comme la plupart des champions. Il coûte 4800 PI. Il a 6 skins pour le moment. Et bah, les infos, il a un stéroïde, c'est son passif, puisqu'à chaque fois qu'un de ses sorts touche, il gagne une charge de son passif, et chaque charge correspond à 10% de vitesse d'attaque en plus. Donc il suffit, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, un ultime passe sur une vague de sbires, ça touche 5 fois, il gagne 50% cash. Oui, vous avez entendu un bruit, c'est parce que je fais cash. Bref. Il offre un buff à ses alliés. Donc oui, son deuxième sort, le flux essentiel, augmente la vitesse d'attaque de ses alliés lorsque bah, il est placé sur les alliés, quoi. C'est assez pratique. Surtout pour casser les tours ou si, admettons, il y a un autre ADC ou un bruiser qui attaque vite. Ensuite, il a un gap closer. Bon, c'est plus une escape, mais c'est quelque chose qui permet de se déplacer. Donc c'est son troisième sort, le transfert arcanique, qui lui permet de se téléporter. Et enfin, l'ultime global d'Ezreal, c'est donc l'espèce de barrage térébrant là qui peut faire toute la map. C'est tout pour Ezreal, on passe au prochain champion. Nous voici avec Fiddlesticks, un personnage joué en tant que jungler ou en tant que mid laner. C'est un personnage qui est très connu pour son contrôle, la peur. Vous verrez ça tout à l'heure. Premier sort. L'effroi. C'est son passif. Les ennemis proches ont une résistance magique diminuée de 10. Ça peut vous sembler insignifiant, mais imaginez-vous Fiddlesticks au milieu de toute la team ennemie. Eh bien, ils perdront tous 10 de résistance magique, ce qui fera une réduction de 50 de résistance magique, ce qui est énorme. Le premier sort, la terreur, donc la fameuse peur de Fiddlesticks. La terreur frappe l'unité ennemie visée et la force à s'enfuir pendant 1,5 secondes. Au rang 5, la durée de la peur dure. Ça dure. Oui, j'allais dire 5 secondes, peut-être pas quand même. Hein. 3 secondes, donc 3 secondes pendant lesquelles vous ne pouvez pas choisir où vous allez. Regardez le Graves. Voilà. Il se déplace un peu aléatoirement pendant 1,5 secondes au rang 1. Et au rang 2. Parce que j'ai augmenté deux fois pour vous montrer. Regardez, et hop, ça passe à 2 secondes. Ça coûte un peu plus cher en mana par contre. Hein. Deuxième sort, le drain. Alors, inflige des dégâts magiques par seconde à l'unité ciblée et soigne Fiddlesticks de 65% des dégâts infligés. Si on l'augmente, eh bien ça augmente le nombre de pourcentages de dégâts que ça nous soigne. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais prendre exprès des dégâts. Allez, tu vas m'attaquer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai pris pas mal de dégâts. Et on va cibler un sbire qui a de préférence pas mal de vie pour vous montrer l'effet du drain. Voilà, je récupère de la vie. 65% des dégâts que je mets. C'est quand même beaucoup, hein. Et ça augmente encore. Troisième sort, le vent des ténèbres. Alors, Fiddlesticks frappe une cible ennemie, puis rebondit sur une unité ennemie proche. Inflige des dégâts magiques et réduit au silence pendant 1,2 secondes à chaque auto-attaque. À chaque attaque. Ça peut rebondir jusqu'à 5 fois et frapper la même cible plusieurs fois. Les dégâts aux sbires sont accrus de 50%. Donc par exemple, hop, ça rebondit et ça rebondit sur les sbires derrière.
Donc ça permet de silence toute une team si elle est paquée. Et là par contre mon ami, tu vas pas partir s'il te plaît. Ne fuis pas Graves. Voilà. L'ultime, rafale de corbeau. Bon, peut-être pas non plus. Voilà. Une nuée de corbeaux meurtriers vole frénétiquement autour de Fiddlesticks pendant 5 secondes, infligeant des dégâts magiques chaque seconde à toutes les unités ennemies dans la zone d'effet. Ce sort doit être canalisé 1,5 seconde et téléporte Fiddlesticks à l'endroit visé. Donc, ça permet d'engage et ça fait très mal puisque ça fait au rang 1 avec vraiment très peu d'AP 140 points de dégâts magiques chaque seconde pendant 5 secondes dans la zone. Malheureusement, le Graves a fui, donc je vous retrouve dans quelques instants pour l'ultime. Me revoici avec Fiddlesticks, prêt à lancer mon ultime. Donc vous voyez, ça a une assez grande zone d'effet et ça va me téléporter à l'endroit où je cible. Donc hop, et voilà, je le fire, je le silence, je le draine. Et ensuite, une petite auto-attaque, un embrasement et il meurt. Donc voilà, c'est tout pour Fiddlesticks, la terreur de League of Legends, on pourrait dire. Et là, il est en mode terreur sucrée, en référence à Tim Burton. Donc voilà, on a pu voir Fiddlesticks, c'est un épouvantail normalement, c'est pas un sucre d'orge, mais bon. Là, il est en mode tout rose, tout violet, c'est mignon. Alors, il est joué généralement jungler ou AP carry au mid. Je pense qu'il est quand même un petit peu plus efficace en tant que jungler pour ses ganks avec ses contrôles. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Il utilise de la mana, il coûte 1350 PI, il a 7 skins déjà, dont mon préféré qui est Fiddlesticks Surprise Party. Et les quelques infos sur lui, il possède un contrôle, et pas des moindres, c'est son Fear qui permet de faire peur à la cible jusqu'à 3 secondes au rang 5, ce qui est, imaginez-vous, 3 secondes sans rien pouvoir faire, mais c'est horrible. Ensuite, il a un CC, donc oui, ce sont ses corbeaux, le troisième sort. Les corbeaux rebondissent entre les ennemis et silencent chacun des ennemis, ce qui fait donc un contrôle de zone. Il a un debuff, c'est donc son passif. On a vu que ça réduisait de 10 la résistance magique des ennemis proches. Il a un heal, bah, tout simplement le drain. Il draine la vie de ses ennemis pour les regagner. Bah oui, sinon ça serait pas un drain. Et enfin, il a un gap closer. Enfin, gap closer, c'est pas vraiment ça, mais bon. Son ultime permet de se déplacer, d'aller vers les ennemis. Donc je l'ai quand même compté comme un gap closer. Et voilà, c'est tout pour Fiddlesticks. On peut passer maintenant au prochain champion. Je vais maintenant vous présenter Fiora, qui est joué en tant que solo top, donc sur la top lane, en tant que... Je sais pas ce que c'est Fiora, franchement, c'est pas censé être résistant, c'est pas un assassin, bon, c'est joué top lane, voilà ce qu'il faut savoir. Et c'est plutôt offensif, comme Maître Yi, on pourrait dire. Son passif dueliste, Fiora régénère 13 PV en 6 secondes à chaque fois qu'elle inflige des dégâts physiques. Les PV qu'elle regagne augmentent au fil des niveaux, parce qu'au niveau 1, c'était à 7. Si elle touche des champions, l'effet peut s'accumuler jusqu'à 4 fois. Donc c'est quelque chose qui lui permet de regagner de la vie tout le long de la phase de laning. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a le passif. Je regagne des PV, même si je suis full PV, au fur et à mesure. Premier sort, Fente. Fiora se jette en avant pour attaquer sa cible, infligeant des dégâts physiques. Fiora peut réaliser la fente une seconde fois dans les 4 secondes suivantes, et ce, sans dépenser de mana. Donc cela permet de rattraper un ennemi qui s'enfuit. Par exemple, je fais ça, il s'enfuit, et hop, je le rattrape. Ou encore, on peut prendre ce sbire là, enfin si je suis trop loin et que le Graves est là, bah je peux prendre le sbire là, puis le sbire là pour être au contact du Graves, par exemple. Le deuxième sort, Riposte. Alors je l'ai augmenté parce que son passif, c'est que les dégâts d'attaque de Fiora sont augmentés d'un certain nombre. Au rang 1 c'est 15, puis 20, 25, 30 et je pense 35 au rang 5, ce qui est beaucoup. On gagne de l'AD sans acheter d'items, c'est cool. Et l'actif, Fiora part la prochaine attaque de base contre elle dans les 1,5 secondes suivantes et renvoie un certain nombre de points de dégâts magiques à l'ennemi qui l'attaque, fonctionne contre les champions, les monstres et les sbires de grande taille. Donc on va aller voir notre cher ami Graves et on va essayer de le faire nous attaquer. Hop, voilà, parade, ça lui a renvoyé des dégâts.
D'ailleurs, il a eu peur, il a mis un écran de fumée. Troisième sort, la balestra. Fiora gagne 60% de vitesse d'attaque supplémentaire pendant 3 secondes. Si elle utilise des attaques de base ou la compétence fente, pendant cette durée, cela augmente sa vitesse de déplacement de 7% pendant 3 secondes et c'est cumulable 3 fois. Donc on peut gagner pas mal de vitesse de déplacement. Tuer un champion met fin au délai de récupération de balestra et les assistances réduisent le délai de la moitié du montant de base. Donc c'est-à-dire que... Ah, il check son fidget, excusez-moi pour ce petit... ce petit truc. Ouais, donc c'est-à-dire que si j'ai une assistance, ça sera réduit de la moitié, donc de 7 secondes. Ben, on va laisser tout de suite sur les creeps, admettons. Hop, je gagne une vitesse d'attaque améliorée. Et en plus, ma vitesse de déplacement est également améliorée pendant un petit moment. Et puis voilà, bah ça l'a réduite parce que j'ai arrêté d'attaquer et que c'était arrivé au maximum. Si on l'augmente, bah ça augmente la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Et enfin, l'ultime, la valse des lames. Fiora traverse rapidement le champ de bataille, frappant des champions 5 fois au hasard et infligeant des dégâts magiques. Des dégâts physiques, excusez-moi. Les coups successifs sur une même cible infligent 25% des dégâts. C'est-à-dire que ça fait moins mal. C'est logique, sinon ça... Par exemple, là, il est tout seul. Je vais pas lui infliger à chaque fois 238. Ça fera 238 plus 25 plus 25 plus 25. La première et la dernière attaque sont dirigées vers la même cible. Chaque coup inflige des effets à l'impact. Donc les coups critiques, les l'hydre vorace, ces trucs comme ça, quoi. Les ralentissements, etc. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, une fois ça, une fois ça. Voilà l'ultime. J'utilise mon boost. Et voilà. Donc ça fait des gros dégâts. Et grâce à l'AD que je me suis rajouté avec la riposte, je gagne beaucoup beaucoup. Je suis à 157 avec seulement une épée longue et une âme de Doran. Donc voilà, je vous laisse avec un petit aperçu de Fiora Proviseur avec sa fameuse règle qu'elle peut casser en deux, je crois. Bon, la petite danse de Fiora Proviseur. Donc voilà pour Fiora, le perso que je n'arrive pas à définir. Ici, je parle d'assassin, entre guillemets, top. Mais en réalité, c'est ce que Riot appelle un combattant. Donc un personnage qui va attaquer au corps à corps. Voilà, mais j'ai pas voulu parler de combattant pour pas compliquer trop mes vidéos. Donc on va dire que c'est un assassin parce qu'elle a des gap closer. Bon. Elle utilise de la mana, elle coûte 6300 PI. Et elle a 3 skins, dont celui-là que je trouve juste génial. Surtout pour le petit bruit de la règle. C'est assez drôle. Donc elle a 2 gap closer, bah, tout simplement son premier sort qu'elle peut activer 2 fois. Et qui permet de rush 2 ennemis sous le cooldown de 4 secondes. Donc vous le faites une première fois et après vous avez 4 secondes pour le refaire une deuxième fois sans que ça ne vous coûte de mana. Ce qui est assez important à savoir. Elle possède 2 stéroïdes. Le premier, c'est passivement sur son deuxième sort. Elle gagne de l'AD à chaque fois qu'elle met des points là-dedans. Et ça peut être pas mal. Je sais plus exactement à combien ça monte à la fin. Peut-être à 20, si ce n'est plus. Mais c'est beaucoup passivement. Gagner de l'AD passivement, c'est comme si c'était des items à acheter en moins. Puis son deuxième stéroïde, c'est donc son troisième sort qui, quand elle l'active, lui permet de se déplacer plus vite et surtout d'augmenter beaucoup sa vitesse d'attaque. Enfin, elle a un heal, enfin c'est pas vraiment un heal, c'est plus une régénération de PV. C'est son passif, lorsqu'elle donne un coup à un champion ou à un sbire, elle regagne des PV, et si elle touche des champions, ça peut se cumuler jusqu'à 4 fois, donc, ou 3 fois, je sais plus, mais ça peut se cumuler et lui rendre beaucoup de PV sur 6 secondes, ce qui lui donne de la régénération en phase de laning. On passe tout de suite au dernier de ces 12 champions. Fizz. Et pour finir cette deuxième partie des champions de League of Legends, nous sommes avec Fizz, le petit machin qui ressemble à Stitch. Petit machin, c'est comme c'est gentil pour Fizz. Bon, commençons par son passif. Combattant agile, la dextérité de Fizz lui permet de traverser les unités et de subir 6 points de dégâts en moins lorsqu'il est la cible d'attaque de base. Alors, je sais pas si le nombre de points de dégâts en moins augmente selon les niveaux,
Mais en tout cas, c'est pas mal parce que on n'est pas Buddy Block avec Fizz, voilà. On n'est pas Buddy Block. Yes! Dédicace à un pote, il se reconnaîtra. Premier sort, la frappe de l'oursin. Fizz fonce et traverse sa cible, infligeant des dégâts d'attaque normaux. Ces dégâts d'attaque normaux, plus des dégâts magiques. Cette compétence peut appliquer des effets à l'impact. Bah vous verrez ça tout à l'heure parce que oui, Fizz ne peut infliger des effets à l'impact autres que les ralentissements, les dégâts bruts de l'ancien lézard, etc. Bah justement, là vous avez vu, j'ai rush un sbire, je l'ai ciblé et je l'ai traversé. Donc hop, ça le fait traverser. Deuxième sort, le trident marin. Passif. Les attaques de Fizz lacèrent ses ennemis, infligeant des dégâts magiques plus 7% des PV manquant de la cible sous la forme de dégâts magiques en 3 secondes. Donc par exemple, la frappe de l'oursin appliquera les effets du trident marin. Donc c'est-à-dire que l'ennemi, moins il a de vie, plus on lui fera mal, hein, avec le trident marin. Et c'est passivement, donc les auto-attaques sur un ennemi qui a moins de vie, ça fera plus mal que les sorts peut-être. Donc là vous voyez. J'auto-attaque les ennemis et on voit 14, 18, 15, 16. Ce sont les dégâts supplémentaires sous forme de dégâts magiques. D'ailleurs, si on l'active, pendant 5 secondes, les attaques de Fizz infligent des dégâts magiques supplémentaires ainsi que l'effet hémorragie qui réduit de 5%, 50% les soins que reçoit la victime. Ce qui est très puissant contre tous les persos à heal, genre Soraka. Bah, Soraka va heal votre le carré AD en face? Pas de problème. Fizz fait son hémorragie avec le trident marin. Réduit de 50% les soins reçus. Si c'est pas OP. Troisième sort, le joueur filou. Fizz plante sa lance à l'endroit indiqué et saute dessus, devenant impossible à prendre pour cible. Il frappe. On va l'augmenter. Il frappe ensuite le sol, infligeant des dégâts magiques aux ennemis proches et les ralentissant de 40% pendant 2 secondes. Si Fizz utilise à nouveau cette compétence quand il est sur sa lance, il saute à nouveau vers la position du curseur, inflige les dégâts magiques dans une petite zone autour de lui au lieu de frapper le sol. Ça veut dire que si on l'active une deuxième fois, on ne ralentira pas les ennemis. Donc hop! Et voilà, il est ralenti. Mais ça permet soit de se déplacer rapidement, soit d'engage, soit de fuir. Et le cooldown réduit pas mal, je crois, au rang 5. Mais ça permet également de ne pas se prendre les coups de tour. Vous allez le voir, je vais sans doute attaquer le griffe sous toi. L'ultime, pêche au gros. Fizz envoie un poisson magique à l'endroit indiqué. Le poisson s'accroche au champion ennemi et réduit leur vitesse de déplacement de 50%. Si le poisson ne touche aucun champion ennemi, il reste à terre quelques instants et s'accroche à l'éventuel champion ennemi qui lui marchera dessus. Au bout de 1,5 secondes, un requin sort du sol et inflige des points de dégâts magiques dans une large zone, projetant en l'air l'ennemi accroché par le poisson. Repoussant les autres ennemis sur le côté et réduisant la vitesse de déplacement de tous les ennemis de 50% pendant 1,5 secondes, rien que ça. Donc voilà, on va le faire sur le Graves. Tac. Je l'engage, tac. Donc voilà. On va le rush. Et voilà, on finit avec un petit coup de trident marin. Et admettons, je suis sous tour. Oh non, la tour m'attaque! Joueur filou. Enfin là je l'ai pas fait au bon moment, mais en gros on peut éviter de se faire attaquer par une tour. Ce qui est quand même vachement pratique. Hein. On va le faire sur cette tour là. Non, on va aller sur l'autre. Alors, la tour va m'attaquer. Et bah non. Je me fais pas attaquer par la tour. Donc voilà, c'est tout pour Fizz. Je sais pas si c'est un poisson ce machin. Bon, on va dire la petite créature de l'Atlantide. Et on se quitte donc avec son skin du pêcheur qui invoque Urf. Donc voilà, c'était Fizz. Et après quelques petites recherches, il s'avère que c'est un filou des mers. Donc ce n'est pas un poisson ni une créature de l'Atlantide. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Mais c'est un filou des mers. Donc voilà, il est joué assassin sur la mid lane, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il utilise de la mana. Et il coûte encore 6300 PI. Et il a déjà 3 skins. Quelques infos sur lui. Il a deux crowd control. D'abord, son
Joueur filou, donc le troisième sort où il se met sur son sceptre, lorsqu'il retombe, il va ralentir les ennemis autour de lui, donc c'est quand même un contrôle de zone, et également son ultime, l'énorme poisson ou bien urf, selon le skin que vous aurez, qui va d'abord ralentir tous les ennemis autour, enfin dans la zone d'urf, du poisson, et ensuite, je crois que ça va les repousser et faire sauter en l'air la personne qui est ciblée. Donc c'est un assez gros contrôle de foule. Ensuite, nous avons un buff défensif. Eh bien, c'est son passif qui lui permet de réduire les dégâts qu'il reçoit. Si oui, il me semble que c'est ça. Les dégâts d'attaque de base qu'il reçoit. Il a un debuff. C'est sa frappe de l'oursin. Non, ce n'est pas sa frappe de l'oursin. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le trident marin. Voilà, c'est le trident marin qui lacère la cible et qui va infliger l'hémorragie. L'hémorragie qui est un debuff heal, c'est-à-dire que les champions ennemis qui souffrent de l'hémorragie se soigneront de 50% en moins en fait. Donc c'est pas mal contre les champions qui ont beaucoup beaucoup de régénération de points de vie, comme Mundo, on a pu le voir avant. Donc ça peut être sympa d'avoir un fizz. Ensuite, nous avons donc deux gap closer, ben la frappe de l'oursin justement cette fois-ci, qui permet à fizz de rush, de foncer sur une cible et de la transpercer. Donc ça nous permet d'arriver au corps à corps. Et également bah, le troisième sort, le joueur filou, puisqu'on peut se déplacer assez rapidement avec notre bâton et parcourir des distances. Donc voilà, nous avons fini cette deuxième vidéo de League of Legends, les champions de League of Legends, la partie 2. Je vous remets le lexique, même si je vous explique à chaque fois les choses, ça peut toujours être utile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un j'aime si ça vous a plu, à partager la vidéo, qui sait. Et je vous dis à tout bientôt pour la troisième partie. Au revoir!